les différents juges, mais sur un maximum de 4,8. Encore une fois, les positions en GRS, un petit peu à l'image du patinage, sont extrêmement resserrées. Et la moindre erreur suffit à condamner une gymnaste. Et Vacerano occupe pour l'instant la troisième place au concours du ruban. Oh, là, Eva Serrano a une carte vraiment formidable à jouer. Pour l'instant, nous suivons l'ensemble russe. Trois ballons, deux rubans. Ces cinq jeunes filles qui se mariaient tout en douceur avec ce violon de Cigane qui exprimait toute l'histoire, dirais-je, de l'Europe centrale. Ça s'est parfaitement bien passé également pour les jeunes russes. Oh, c'est vrai que ça ne doit pas être facile pour les juges que de départager ces concurrentes qui se tiennent. Qui se tiennent, mais vraiment de si près. L'équilibre est parfait. Le travail de ruban ne l'est pas moins. Les enjambées sont excellentes. Tous les membres travaillent. Regardez le travail des jambes et des bras qui se confondent dans une osmose totale. Les notes devraient être excellentes pour les Russes. Du moins, l'impression artistique me semble véritablement parfaite. Oui, les Russes prennent pour l'instant la deuxième place de la compétition. L'impression artistique leur vaut un 10, c'est-à-dire la note maximum.